ni mort. Mais ça passe. Depuis le ça, il faut nous songer, et il faut nous songer plus raide, que depuis 1915, le système n'a pas un nouveau patron. C'est les États-Unis. C'est Washington. Avant ça, c'était la France, l'Angleterre, l'Allemagne, gros puissance. Les États-Unis profitent de la Première Guerre mondiale là, depuis 1915. L'Allemagne a beaucoup, mais ils sont Europe avec la France avec l'anglais. Ils tout fourrés, puis là, ils prend place la net. À partir de 1915, c'est lui qui décide, ni dans l'économie pays, ni dans la finance pays, ni dans la politique pays, ni dans l'appareil répressif. Ça veut dire que non seulement il répatrie ce système-là, mais il contrôle tout appareil, ni idéologique, ni répressif, ni politique, système net, par un nègre qui monte. Président d'un pays ici, ça a été 100 Américains pas mal. Moll, avec joie ou à contre-coeur, et dans GTA, on met sur que l'on. Tout autant le pas signé papier GTA, le papa. Non, ça veut dire, je dis, les gens qui ont côté de là, doivent comprendre que pas aucun président qui a tombé sans que les États-Unis ne pas avaler. Non, mais c'est clair, écoute. Nous vivons un pays tellement dominé, Henri, tellement dépendant, ou un pays bloqué depuis 6-7 semaines. En haut, pas descendre, en bas, pas monter. Aucune marchandise, aucun monde pas qu'à circuler. Pays a livré presque à un chaos. Un président pas présidé rien. Mais là, ça veut dire qu'on vient tellement dominé et dépendant des Américains, le lieu du pouvoir en Haïti n'est plus à Port-au-Prince. Vous cantez la parole. Est-ce qu'il est? Il est à Washington. Pouvons en exil. Ah, si, mais comment est-ce que vous avez dit, mon côté pour y aller, justement? Mais, ça. Mais, naturellement, il y a des intérêts qui font que, bon, al camp et devant l'ambassade, là, ça sont d'autres cas de figure. Parce que, ou dit déjà. Même dit déjà. Et vos tentatives qui fait, c'est seulement Jean Charles qui arrivait passer. Qui arrivait. Et tout le monsieur n'est pas venu. Maintenant, si nous avons gardé, et nous connaissons pour ça, au peuple, dès que nous connaissons, 1915, sud d'Atignav, c'est américain. Qui a empêché Rosalvo Bobo, un nationaliste président. 1922, Louis Borloo, c'est américain, parce que le monde était garanti que l'a fait emprunt 40 millions de dollars. Tandis que Datsig n'a pas de clé sous ça. Ok. Maintenant, en 1930, ça n'a pas dérangé l'américain, qui a un contrôle pays, qui met l'argent d'Amérique sous pied, contrôle l'économie en amène, contrôle la finance en amène, c'est 900 mètres président comme nationaliste, la vie de manger dans le bol, nous quand même. Ce qui s'est fait. Monsieur fait 11 ans. Après 11 ans, Vincent négocie avec eux, et puis pour ancien ministre, Lesco vient président. Lesco tombé en 46, qu'est-ce qui j'étais les Américains? Naturellement, pas aux estimés, étudiants par là, oui, on par là, oui, parce que vous êtes content de ce système qui a fonctionné. Mais c'est là encore où est que le système n'a pas agi, il faut bien le lire. Américains profitaient de ce que. Peuple et l'Ilesco a un problème avec elle. Pour régler le problème, parle à l'Ilesco. Parce que l'Ilesco te dit, haïtien, pas prêt à le couper quand République Dominicaine encore. Radio Omega. Ah! Et deuxièmement, nous fin femme, bah nous, on paquet de paysans, pour nous faire chada, pour nous faire caoutchouc, et puis les fini, nous pas rien. Et puis nous pas dédommager les paysans, yo. Agriculture haïtienne n'a pas un gros coup. Ah, mais qui dit, oh, avant de demander un dédommagement, avant de dire que le pape haïtien ne peut pas le couper qu'on a encore, alors que Centrale Sucre République Dominicaine, c'est nous qui avons actionné là-dedans. Ben, ils sont ma bol là, oui. Pourquoi je ne me dis aucun côté, non? Le Lesco, il y a un problème. Il faut rencontrer un ouzier qui est homme de confiance de Washington, beaucoup d'avocats, l'État haïtien. Seul n'est qui racontait ben, ça, c'était ces historiens Laurent Saint-Just. Monsieur dit, avocat a dit, monsieur, attendez, non, président n'a pas gagné. Monsieur dit, pour ça, on dit ça. Il dit, oh, on va voir qui est le président du conseil d'administration, plus gros central sucré au monde, que la République dominicaine, ou du papa le coupé comme boulet encore. C'est parce que Somner ou elle suit, secrétaire d'État américain. Oui. Eh bien, il dit ce qu'on est qui est le grand patron, puis il n'est pas pareil. Monsieur dit, je ne peux pas travailler comme ça. Si monsieur parle personnellement dans le bureau, je vais vous dire pour le dire, agis. Et il dit, quand on dit, quand vous dit, il y a un problème, peut-être me défendre depuis le palais national de Port-au-Prince. Et puis l'avocat dit, le président, attendez, non.
au courant que c'est le secrétaire d'État américain qui est président du conseil d'administration centrale Romana, la plus grande centrale sucrière du monde, qui n'a pas voulu travailler pour lui encore. Monsieur dit, oui, je connais. Il dit, ah bon, vous voulez me frapper, monsieur? Il dit, oui, vous mettez ça avocat mouillé. Bon, l'autre, frappez. Il dit, ah, président, parlez quoi, oui? Parlez quoi? Monsieur, frappez. Et mais ça a passé. Immédiatement, Américain activé, il y a un homme qui était relé, monsieur Moulton, qui était attaché politique dans l'ambassade américaine. Ici, c'est lui qui a concocté le renversement de l'ESCO à un point tel que dans les dossiers déclassés désormais des services secrets américains, ou après coopération, ça, Américain était relé l'opération Moulton. Radio Omega. Qui était le renversement de l'ESCO, qui était leur homme, oui, pas jamais mon président s'est allié sur Américain. Ça veut dire, si je bien comprends. Et Mbalba au plus. C'est le Saint-Paul Magloire. J'ai une timidité pour le comprendre qui j'en joue à la jouer. Et c'est pas si tu comprends ni bonheur qui fait le président. Si je comprends, professeur Soukar, là, nous pas qu'à faire un lien sans les États-Unis d'Amérique en matière politique. Mon frère, pas nous seuls. Il y a un pile d'autres pays côté les États-Unis qui ont très grande influence. Mais pays, ça a eu, il a dégagé quoi parce que mon élite qui a une tendance nationale. Qui n'a pas américain vle, a dit américain. Pour ce, dis-moi ça, puis bien, ça, on est élite qui compte dans ce national. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tête seulement. Voilà. Voilà. Ça veut dire. Qui remet pays. Qui remet pays, qui prend ce coutier. Côté l'offre, il n'y a pas là, qui met derrière, là, tout le monde. Oui, oui, oui. Vous comprenez? Qui met l'île parce que famille va privé site, il n'y a pas de intérêt, etc. Voilà. Il n'y a pas aucune implication, même. Aucune implication. Ça veut dire qu'il y a son compte allié pour lui. Bon, il n'y a pas de problème. Dès qu'on finit, il n'y a pas de tête, je m'en fous. Non. Qu'on y a là, Paul Magloire va le vivre en scène. L'étudiant va l'étudiant manifesté devant l'ambassade américaine, parce qu'à l'époque, le président américain dit faut respecter les droits de l'homme, les libertés, les quatre libertés. Et madame américain appuie. Et mais ça a passé. Ben, elle est bien organisée. Les nègres arrivent devant l'ambassade. À l'époque, l'ambassade d'Atikoto, l'ambassade de France, beaucoup de Saint-Pierre. Et puis, foule étudiant, il est là, il a lâché contre le gouvernement. Et puis, la police en s'est clé. Donc, Paul Magloire, chef police. Et puis, monsieur, ouais, attaché politique là, sorti. Et puis, l'ouvert, bah, l'ambassade. Et puis, toute foule entre dans la cour, ambassade là. Et puis, attaché politique là, paraît, monsieur le dit, Major Magloire, qu'est-ce que vous faites comme ça? Ces jeunes, c'est l'avenir du pays. Ils manifestent pour les quatre libertés. La liberté de penser, la liberté de ceci, la liberté de cela. Paul Magloire qui connaît ces bullshit, je ne sais pas raconter. Paul Magloire comprend que ça, mais qu'il y a tout le bagage, que le gouvernement tombe. Et puis, le monsieur a le palais, là, il fait rapport. Il dit, président, l'ESCO, mais ça me saute vivre là. L'ESCO dit, je connais ça qui a mené. Après, je saute que ce vont l'autre rapport là, qui dit que toute pompe gazoline fermée, toute compagnie qui a vendu gaz en pays a fermé. Ou toutes ces compagnies américaines. Vous gâtez la parole. Et puis, l'ESCO dit, le chef là, mais il dit, il a démissionné. Point charge. Maintenant, estimez lui-même, montez. Manœuvre, l'armée, etc., jouer question couleur, estimez monter. Estimez comment c'est fait belle petite bagaille pour pays. En 1950, estimez vous l'arrêter. Américain pour jouer, monsieur. Foule qui prend la rue à calcraser Sénat. C'est une manipulation. C'est pour aviler, estimer, pour montrer que les violer en cette institution démocratique. Donc les balles à l'armée, occasion pour faire un coup d'État. Et puis, Magloire prend le pouvoir. Ça veut dire quelque part Magloire, c'est ton agent déjà. Ah, mais écoute, Magloire, c'est lui qui a mené l'armée créée, entretenue, financée par les États-Unis. Radio Omega. Vous comprenez? C'est la grande différence entre l'armée haïtienne d'avant 1915 et l'armée haïtienne, bon, qui parle des gendarmes, garde d'Haïti, armée d'Haïti, FADA, j'en voulais relever là. La grande différence entre les deux. Gagnon, à partir de 1915, qui parle l'instrument de la volonté politique des États-Unis. Pas que l'autre bail là-dedans. Pas aucun rapport avec l'affaire des armées de Vettier, armées de Salinien. Aucun rapport. Maintenant, Magloire monte en 1956. Magloire voulait, même erreur, rété. C'est propre monsieur militaire ça, qui fait monsieur comprendre qu'il n'est pas capable. Maintenant, notre bouleversement. Pas le bon bail qui passe en 57. Il n'est pas obligé de fioler un pouvoir temporaire pour apaiser le peuple, faire le peuple comprendre qu'il est si bon, pour faire le peuple entrer la Cali. Parce que fioler des commandités de débile, pèse le bouton sur le compresseur, le peuple prend la rue, c'est lui-même seul qui a arrêté. OK.
Après vraiment 25 mai, Chiré Pit qui dégagne dans l'armée reconstituée, Kébo, chef l'armée. Mais Kébo sont mérines quoi, lui? Kébo a été formé par les mérines. Ça veut dire que les chefs, ils passent l'ordre, ils pas pour l'ordre dans ma haïtien, là, c'est dans mes chefs qui prennent l'ordre. Chef, lui, c'est chef américain. Point. Pa! Attaché Minitech, là. Bon, quand on a parlé contre Ben Brou, j'aime dire qu'il y a une côté. Je toujours dit, par analyse, par information, je dis que François Duvalier n'est pas président sans la volonté américaine. Je parle de deux faits que je n'ai jamais écrit, ni pour jouer cassette ça. Deux témoins de première main qui étaient bras droit et bras gauche, Antonio Kébo. Le fiole est monté. Si vous voulez comprendre qu'il n'y a pas de contrôle de l'armée américaine, il est capable de faire que vous tournez pour pétrole. Gérard Laroche, qui était lieutenant à l'époque, ordonnance qui est beau, qui était marché tout côté avec elle, sauf que pour elle, dans la toilette, il est rentré, racontait sur son lit de mort, parce qu'il me fait des années, à dit Gérard Laroche, je me besoin de témoigner un jour. Je fais des années avec Boca Raton, je ne sais pas, j'en voulais. Je dis, Michel, son médite, il est même pas un doigt. Je dis, mais Gérard, après tant d'années, finalement, son le, pendant que je suis allé en Haïti, je me suis dit, je suis allé en Floride. Je me suis dit, je suis allé en Floride parce que mon cancer, dans 4 mois, je suis mort. Je me décide de pas là. Je me suis monté, je me suis enregistré, je me suis dit, je suis allé en Floride. Le jour où nous apprenons que Fioli voulait prendre la main en main, nous, que vous montez au palais, que vous faites l'obéir de tous les diables, monsieur. Je me suis là. De pourtant des chefs là, mais dans l'obéir à président ou dans l'événement. Que vous sortiez frapper pour ta boue. Et puis il dit, quatre général. Non. Il dit, quatre général, là, mauvais balagaté. L'arrivée dans quatre général, premier geste que général l'a fait, parce que bureau général là, le bureau pas maintenant devant porte, monsieur. Monsieur prend téléphone, ben, monsieur parle en anglais. Je me parle en anglais, elle fait mes téléphones, monsieur, elle me dit, mais elle est toute comme dans le département de police, toutes les qui sont postées là, n'importe où. Radio Omega. Nous prenons Fioli. OK? Deuxième barrière. Bob Abdo, qui était bon ami Kébo, Nego Kai. Kébo fait longtemps comme dans le sud. Monsieur dit, Kébo présentait le François Duvalier personnellement comme étant son candidat. Monsieur dit, moi, dit Keb. Quand ça passe, j'ai pas dit que mon gars là, son copain n'est pas ça. Plutôt que mes pouvoirs, tout côté en Amérique latine, c'est militaire. Quelle belle! Je dis, petit Bob, si ses amis mouraient pas, je me dis ça encore. Blanc vlé, François Duvalier comme président, m'a balé comme président. Oh! Oui. Son mérite comme il a passé l'ordre, m'a obéi après ça. Ouais. Ça veut dire que quelque part, Antonio Kébo et François Duvalier, yo te getan entend yo déjà avant même et pas oublier que François pas clinicien, François est un spécialiste de la santé publique.